Nous sommes arrivés. Oui, bonjour tout le monde. Hein. Oui, on est mal poli. On a déjà parlé. Ça fait honte. Hein. Donc, on est au niveau du barrage de Cap de Long, en plein apéro. Hein, voilà. Et on dort ici parce que demain, on va aller faire le pic de Cambiel. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il trimballe une saucisse derrière toi. Donc je disais, je reprends, on va faire le pic de Cambiel, le pic de l'Antilla, la workette de Cap de Long et on va faire une petite boucle, voilà. Donc 2-3 000 dans la journée. Ça vous va les garçons comme programme? Ouais, c'est ouais, 6 000. On part avec. Hein. Voilà, c'est sympa. Ça à faire, on fait que ça. Hein. À la vôtre. À la vôtre. Chin. Tu vas chercher? Ouais. La bouteille de vin? Pourquoi tu filmes? Bah, pour le repas et tout. C'est un petit vin de merde, hein, sans oui. Prétention, hein. T'as déjà bu du vin de merde? C'est génial, ils sont trop forts les gars. Le pire, je vois rien. Cache le pire, cache le meilleur, le vin des philosophes. Excellent, excellent, c'est excellent. Ah, ils sont doués, punaise. Et ça, c'est des vins génial. Qui sont du Languedoc, qui ont été beaucoup critiqués. Et donc c'est pour ça qu'ils ont, ils ont dit ah ouais, le vin de merde du Languedoc. On a du vin de merde qui est du très bon vin. Mais... Non voilà. Non mais c'est pas c'est du sirop de pêche. Hein. Ouais non non. Le sirop de pêche de merde. Et sinon bon j'ai oublié le melon donc voilà, oui, je, voilà me fais, bravo, hein. Je me fais chambrer parce que le melon est resté dans le frigo. Bon. Il n'y a pas de melon, t'as vin de merde. Dessert. Dessert de merde, tu dis? Soirée, dessert de merde. Ouvre ce qu'il y a dans la boîte là. Et tu vas me dire si c'est une soirée de merde, un dessert de merde. C'est encore vivant, mais fais gaffe. Elle est énorme parce qu'elle prend la caméra avant. Comme le vin. Ouais. Oh. Hein? Dessert de merde. Est-ce que c'est des crêpes au melon? Non, c'est pas des crêpes au melon. Ah, avec la petite boîte et tout, franchement. Ouais, mais il n'y a pas de melon. Il n'y a pas de melon, d'accord. J'ai oublié. Pardonné. À moitié. Ah. Ouais, parce que le melon, c'est quand même. Et bonjour tout le monde. Salut les garçons. Salut. Bien dormi? Parfait, ça va. Ouais, t'as pu faire ton time-lapse hier? Ouais. Enfin, cette nuit? Ouais. Tu t'es régalé? Ah, complètement. Bon, tu nous montreras ça. Hein. Plaisir. C'est joli, hein? C'est beau, oui. Ouais, il y a un contraste de la rouge bleue. Bon, la randonnée commence par le bar. Ah non, c'est la fin de la randonnée qui va se terminer par le bar. Pour l'instant, il est 7h30. On vient de démarrer en direction de l'objectif du jour. Cambiel, l'Antilla, Ourquette du Cap de Long et le petit bar à la fin. Bah alors ça,
On s'était bien dit un jour qu'on se rencontrerait. Voilà. Hein, les garçons. Didier, Sébastien. Ça va? Génial. Incroyable. De fou. On s'est pas donné rendez-vous, non? Mais non, pas du tout. Non. Il dit c'est pas vrai, c'est eux. Ah bon, oui, voilà. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Staragne, Cambiai et. Ah ben, on va s'y croiser. On fait le Cambiai, on fait pas le Staragne. Ah d'accord. On va en parler, on fait le Cambiai et l'Antilla. L'Antilla, on regarde. Ah oui, il y a le tunnel, il n'y a rien qui part. Il y a un éclairage au plafond. Mais nous, ils avaient tout fermé. C'était même dangereux, il y avait les câbles par terre. Normalement, on n'avait même pas le droit d'y passer. Donc bon, on a dit tant pis, on y va. C'est un travaux que tu. Ouais, c'est possible. On va faire une photo là. Un petit selfie. Ouais, ou avec la GoPro. Le selfie des. Sur le parking, elle belle la photo. Alors, ça, vraiment, La fine équipe. Ah ouais, c'est clair. Là. On te voit pas, Eric. Si, ça y est. Si, c'est bon, rien là-haut. C'est génial. Et youtubeur des Pyrénées. Ah, ouais, exactement ça. Tu viens, on va faire face au soleil. Mais là, moi, ça fait un moment que je n'ai pas mis le nez sur l'ordinateur. Et j'ai vu parce que Katia m'a dit mais ils sont partis, ils ont fait ça il n'y a pas longtemps. Donc je guette là. Voilà. Super. Ça y est, je vois plus rien. Ah là, moi, je n'ai pas trouvé tant. Ça va revenir. C'est par là le Cambiai. On part là, c'est plus court. Oui, tout droit là. Ouais, là, c'est plus court. Il y en a qui montent là. Ah, ouais. Je sais pas où ils vont, mais. Putain, par contre, j'espère que les orages vont pas. Bon, ben, on va se dire à tout à l'heure alors. Ouais. Allez. Bonne montée. Salut Katia, JP, salut. Allez, on y va, les gars. Non, parce qu'ils sont lents là, c'est bon. Je suis très content de vous avoir trouvé. Oh, ouais, non. Allez. Allez, à tout à l'heure. Ouais, ça va. Ciao. On est le Ramon à droite, on est où il est là, les trois conseillers. On est vraiment aux limites du parc national. Quelle aisance, quelle agilité. Quelle souplesse. Dans les rois, quelle souplesse dans les rois. Voilà, on arrive au bout du lac du Cap de Long. Face à nous, juste devant le pic Mobic et ensuite le pic Mahou. Bon, ça y est, on a l'objectif du jour en vue, tout là-haut, le Cambiai. Oh,
Tu sais, ça fait quelques sorties qu'on mange du caillou, non, ouais. C'est le caillou qui rend le caillou. Le week-end prochain, plage. Ouais. Ce sera des petits cailloux. Tu vois ta langue? Oh là là! Tu vois ça? Ah ben bravo! On le voit. Ben, ça a trahi là. Hein. Oh, là. On est des randonneurs gourmands. Ah ben bravo! Et toi? Ah. Non, t'en as pas mangé? Non, j'en ai pas mangé. Regarde ce bleu du lac. Une photographie. Une célèbre photographe orléanais. Ça grimpe pouillé. Un peu de grimpouille. Genre un truc que je fais pas souvent. Oui, mais là t'as des marches. Ça va. Un petit sourire? Un petit sourire? Bon, on a passé le petit verrou. On va se rapplanir tranquillement avant d'attaquer la montée finale. Ah, on est au soleil. Aïe aïe. C'est fini l'homme, Eric. Ah zut. Devant nous, un deuxième coup de cul là. Ah ouais, ok. Dans l'herbe là-bas. C'est le deuxième effet qui se coule. Ouais. Dans l'herbe. Ouais, toi, on voit des gens qui montent. Ouais. En mi-hauteur ils sont. Ah oui, ok. Ouais. Je vais les voir. Oui, mais enfin, ça sera certainement plus agréable quand même que. Et dans mes souvenirs, il y a un petit lac là, en bas. Ah ouais? Ouais, et c'est ça, Katia? Ouais. Et le combien il est au soleil, hein? Tu veux que je la fasse? Le cambier au soleil, c'est quelque chose qu'on aura bientôt. Après un gros dodo, il va faire bon faire de belles photos quand on sera arrivé en haut. Tout va bien, la situation est maîtrisée. C'est très très gênant, c'est très gênant. D'ailleurs, c'est tellement gênant que quand je fais le plan, ma propre GoPro a coupé. Donc, je n'aurai pas le plan, toi tu l'auras. Et en compagnie de Jean-Pierre, tu auras droit à ta bière. Oh là là, cette équipe. Alors, on s'ennuie pas avec nous. Ah oui, je vois.
pour moi. On a le pic Mobic face à nous et derrière le pic Long. Plouf. C'est vraiment joli. On a changé de terrain, on est passé de blocs granitiques à une roche plus marron. Et t'as vu qu'on est passé au soleil? Le cambier le soleil. La 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 la. Complètement à sec. On vient de passer la barre des 2008 et donc il nous reste un peu moins de 400 à faire. T'as la pointe du bout. Le talon du coup il fait ça, il sait jamais. C'est pas la bonne pointure. Tu as le talon qui frotte avec la chaussure, pas vraiment. Souvent comment tu payes. Chaque fois que j'ai eu, c'était toujours sur la montée. Ça va pas. On verra bien. Puis au pire, si t'as une ampoule, au moins tu seras bien éclairé. Ah, ça, c'est l'effet bonbon. C'est ouais. L'excès de sucre. J'ai entendu des moutons. Ça aussi, c'est l'effet de sucre. Des bébés, non, je te jure. Oui, mais oui, ça belle, on entend les cloches aussi. Oui, les cloches. Ouais, ouais. Elle est où l'église? Chacun entend son truc, quoi. T'as vu le pic du midi là-bas? Ah oui. Oh, énorme. À droite, c'est le lentille. Par là, on va filer au cambier. Oui, là pour ça c'est ça. Non, c'est mon perdu là-bas. Et bon.
Bon, on a le pic de Cambiel qui est au fond là-bas. Eric, t'as la mounia là. C'est un gros logo massif. Waouh, waouh, waouh. Franchement, c'est de toute beauté ce Cambiel. Regarde la brèche, on la voit bien derrière. Regarde Eric, derrière le cirque de Gavarni, la brèche et tout, le taillon où tu étais la semaine dernière. C'est raide. Oui, mais bon, il y a sentier là. Bon, après, je ne sens pas trop parler. Je vois avec des sons derrière là. Il y a Didier et son frère Sébastien qui sont en train de monter juste derrière le groupe. Donc Didier a une chaîne YouTube et on se connaît via cette chaîne YouTube, ça fait au moins 3-4 ans. Mais on ne s'était jamais rencontrés et on s'est croisés au départ du parking ce matin. Et c'était franchement une très très belle rencontre. Et on va manger ensemble au sommet. On passe à la télé ? Oui. Là, il y a en haut, c'est Katia. Voilà, et puis là, c'est Didier et Bon Petit TV. Vous avez passé sur deux chaînes YouTube. Wow. Et la dame en haut, c'est Restir. On va avoir une implantation.
Le CAF d'Auch de sortie. Ça y est les garçons, ils arrivent. C'est ça. Ils sont passés par la dalle. Alors vos impressions sur cette dalle? Ah ben c'est impressionnant quand même. Ouais. Alors, faut rester vigilant mais. Ouais. Ça accroche quand même avec les chaussures. Ça accroche oui, bien, mais bon, le trou du mètre est bien à zéro. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Mais bon, on regarde devant nous, on pose le cerveau à côté et puis. Ouais, voilà, tu débranches le petit truc à l'arrière. Voilà, et, c'est ça. Et t'avances. Ah, c'est comme ça. Allez. Félicitations. Ah, on est bien content d'être là. Voilà. Je suis d'accord que la montée, la via le sentier, c'est raide aussi. Ah oui. Ah ouais. Oui, oui. C'est du vertical. Vous avez mangé déjà? Non. Non, on est arrivé il y a. Vous avez dit Respirando, et vous c'est quoi? Didier Bompier TV. Bon après c'est pas... Moi je fais des vidéos mais pas aussi régulièrement. Alors, c'est l'heure de la petite séquence blagounette pompote. Tang, 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 tang. Préparez-vous à rigoler. Ou pas. Dans une salade de fruits, une poire cherche ses parents. Comment les appelle-t-elle? Til. Comment la poire appelle les parents? Ouais. Mamang et papaye. C'est... Ok. Ça vous fait rire, vous aussi, là-bas? La blague. Voilà, deuxième. T'es un bon public. Que dit un fruit quand il a froid? Fait frais? Non. Ça doit être un fruit qui fait... Non. Non, c'est pas un fruit? Oui, j'allais dire clac-clac. On se les pèle. On se les pèle. Bon, ben voilà, hein. Oh, c'est là, mieux. Bon, je vous avais promis une petite surprise quand même. Je sors les mouchoirs? Non. Pour rappeler au Vignemal. Je dis, ah, ça serait bien en Vignemal. J'avais dit à JP, j'amènerais le petit four. Ben, j'ai amené le petit four. Oh pétard, on a le dessert. Le petit dessert, j'ai amené. Les champagne, mec. Ah, oh, attends, t'es fou, quoi. T'es ouf. Attends, là. Non, mais. J'ai la foutre de pain. Non, mais qu'est-ce que c'est? Attends, merde. Non, mais dis pas que. Ah, mais l'oublier. Ah non, ça doit être un objectif. Oui, ça va être un objectif. Voyons. Qu'est-ce que c'est? Oh, un glaçon! Un bloc de froid! Non, mais sérieux, il a porté tout ça? Oh! Oh putain! Et ouais! Excellent! C'est parce que je ne l'avais pas amené sur mon premier 3000 et que je l'ai beaucoup regretté. Ah et ouais? Et ben là, c'est pour vous remercier de m'avoir. Ouais, oh, t'es mimi! T'es gnagnon! T'es mignon! Le bisou, le bisou, bisou. Attends, le elle bisou. Va tomber. Ouais, attention. Merci. Champagne. Champagne. Comme dirait Charlagne. Bonjour. Santé. Bon, mais il n'y a plus qu'un. Non, je ne le redescends pas. Il faut quand même ça. Bah, si, c'est beau. Bien sûr. Bien sûr, c'est beau. C'est génial. L'altitude, enfin tu sais, le bouchon il va finir à Pyongali. Je vais essayer de retenir. Fais attention à pas reculer. Hein. Tu crois que je pourrais? T'imagines. Pam. Boum. Ah ben on l'a bien fêté. Il faudrait me préparer une coupette. Avant que. Attends. Du plastique? Ouais, c'est du scotch. Triple face. Il va pas être méga frais, hein. Je suis désolé. Ah ben oui, mais bon, il y a un glacier là-bas. Hein. Attention à vous, que je vous pète pas. J'aimerais surtout que le bouchon, je le retrouve. Attends. Non mais parce que... Oui, mets-toi la JP.
C'est que si ça. Pas, ça n'arrête de voler ou quoi. S'il y a une petite giclette qui est partie. Oh putain. Tiens, tu vois voilà. Avec l'altitude. Oui, c'est l'altitude ça. Avec l'altitude. Bon. Rien n'a été mouillé, ton boîtier là est chaud. Putain, ouais. Il aurait été baptisé. Le sommet était arrosé. On va les laisser tomber un peu. Oh, c'est du rosé. Mais oui. Cool. Et on va te bourrer pour descendre. Hein. Putain. Attends, on va. On va boire de la mousse. Ouais. C'est pas beau quand même ça. Bah ouais. Si. T'as. Le Cambiel en plus, ça fait au moins 3 ans qu'on veut le faire. J'ai vu la vidéo, j'ai dit. Putain, mais j'ai dit ça en blaguant. Mais en fait, j'aurais trop dû. Et trop. Enfin, un premier ouais. Et tout. Et tu vois moi, je t'avais dit que je te montrais des crêpes et je t'ai monté des crêpes. Hein. Ah, tu sais, ouais. Dans la glacière, on il a monté, mais bon. Demain, on sera au boulot, c'est pas grave. Ouais, c'était ouais. Des trucs congelés. Ben oui, c'était ouais, congelé. Moi, je suis au bureau. Ils ont bien dégongelé. Hein. Ah, oui, ouais, ils sont... Mmh. Ouais, on se lâche même les doigts. Ah, ben voilà. Hein. Moi, je vais prendre un vomi d'éclair au chocolat. Je voulais prendre des vrais petits fours, mais je n'en ai pas trouvé. Hein, c'est quoi, tarte au citron, ça? Ouais, fait maison. Délicieux. Fait maison. Franchement... Bon, bah, un petit moment bien sympathique, hein, ouais, à 3000 mètres. Ouais, ça passe quand même. Nickel. Ça passe crème. Ah bah attends. Ah ouais, vraiment. Bon, tu te cas de le dire. C'est des petits moments quand même. Oh, allez, je vais pas redescendre. Hein. Allez. C'est bon, merci. Voilà. C'est bon. Moi, j'ai tu veux laisser ça pour les prochains randonneurs qui montent. Oui, t'as fini ta baguette en fait. Ouais, quasiment, ouais. Eh ben. Moi, j'ai ma petite baguette qui est passée. C'est mon choco. Bon, on va prendre le brownies. Tu nous auras gâté. Incroyable. Hein. Bah, c'est vrai que nous, on a commencé à faire des randos quand on avait une vingtaine d'années. Après, dès qu'on avait le permis, en fait. Hein. Ouais, voilà. Après, dès qu'on avait le permis. On faisait quelques randos, on a fait le Taillon, tout ça, au début, le Spigeol. Et puis après, on a un petit peu laissé tomber les trois morts au Spigeol il y a 2-3 jours. Ouais. Ah ouais. Ouais, il y en a un qui a dévissé. Ouais. Ah merde. Ouais. Et c'est vrai que les 3000, après on en faisait peut-être un petit peu moins, on faisait d'autres sommets un peu moins connus. Ouh, champagne est monté à la tête. Mais tout aussi intéressant. Attention. Ouais, je fais exprès. Et puis voilà. On essaye d'alterner en fait des randos un peu connus et des randos pas trop connus. Ouais. Allez. C'est ça. Voilà. Allez, allez ça parce qu'on va pas les finir. Hop. Putain, ah ouais, c'est un peu. Voilà, si t'as deux doigts de prendre les deux en même temps, ça aurait été parfait. C'était la blague. Allez. Voilà. Merci. Non, sérieux. Sérieux, Rick, j'ai fini. Vrai. J'ai fini. Oui, c'est pour toi. C'est café, non? C'est pas café? Je pense. Ah, le café, ouais, je suis là, je pense. Mmh. Mmh. Ah ouais, mais non, mais c'était très bon. Putain, on est pas bien là. C'était plus heureux. Hein ça. On non, est que tous les 5. Je cherchais le truc de la pub de Ferrero là. Ah oui. Tu sais quand ils. Ah ouais, ouais. Ah, c'est quoi? Comment ils disent? Ferrero, je sais. Non, mais ils vont dans un truc mondain là. Ouais, ouais. Les soirées de l'ambassade. Les soirées de l'ambassade, ouais. Ouais, exactement. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Cache ça, je sais. C'est moi qui ai fabriqué les gâteaux. Oui, oui, bien sûr. On te c'est croit. Maison. Pas de là, mais. Bon, allez. On a baptisé le. On repart en direction du pic Lantilla maintenant. Voilà, on va aller au Lantilla là-bas, face à nous. Tout à l'heure, on est monté par ici. Et là, maintenant, on se dirige vers le Lantilla. Toujours. Deuxième 3000 de la journée. La pointe. Et le Lantilla qui nous attend devant là-bas. Ah oui. Lac de Bastia. Lac de Bastia, ok. Superbe vue sur tout le cirque de Gavarni. Le Mont Perdu et tous les 3000 de Gavarni, c'est splendide. On a le Cambiel, tout ici. Salut la compagnie. Il y en a
Il y a du monde qui filme aujourd'hui. Hein. Ah oui, il y a du monde là. Hein, toutes ces GoPro, tous ces appareils photo là. Ah ouais, c'est clair. Ça en fait des des vidéos. Dans les Pyrénées. Il va y avoir trois approches différentes de la sortie du jour. Ah, c'est ça qui vient. Ensemble. C'est les genoux. Hein, c'est les genoux, oui. Bon, c'est les pieds, quoi. Waouh! Camiel! Les Cahuendios! Voilà, le Cambiel tout au loin, la pointe au milieu. C'est grandiose. Cette sortie, elle est mais grandiose. Cette vue sur le cirque de Gavarnie. T'es content? Ah oui. Super balade aujourd'hui. Regarde, la météo qui est bonne. Voilà. Bon, on laisse le Gentilla derrière nous. Et maintenant, on va descendre en direction de la houppette du Cap de Long. Virage à gauche. Bifurcation. Super raide là. Serre-toi de tes bâtons. Ouais. Là tu vois ce qui est là, ça s'accroche pas là. Là pour l'instant, ça s'accroche bien. Ouais. Mais si tu te retiens, c'est que je suis sûr. T'as la descente, elle est superbe. Hein. T'as vu ça, le monde perdu, le cirque de Gavarnie. Ben oui, j'ai le temps de filmer aussi. Ouais. Regarde les couleurs du lac en bas à droite. Ce vert. Une belle sentence en zigzag en bas là. Ouais, pour nous. Ouais. Regarde les nuages qui passent sur le lac en bas. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est les petits nuages là. De ce côté, c'est raide à monter aussi. Hein. Ah ouais, là, vous avez passé par là ou non? Non, non. Ah ouais, c'était juste un peu plus loin. Ouais. Ouais. C'était raide aussi, mais c'était pas comme ça là. Quand t'es ici, là, tu te dis waouh! Wow, ouais, le Gentilla, il est derrière là-haut, on ne le voit plus.
ouais. Ah oui. Tout va loin. Sous le taillon, il est. Venez, on va voir les granges de Poubelli aussi. Si tu redescends, tu venais tout à l'heure. Ouais, ouais, voilà. Tu vois les granges de Poubelli. On va tout stocker en face. Ouais. On va pas estomber, mais pas loin. Ah ben, on voit le code du Courteillou. Oui, oui. C'est vrai. Allô. La vallée, on était rentré dans la vallée là-bas. Ouais, ouais. La vallée d'Aspo. Alors sur notre gauche, il y a la hourquette du Cap de Long. Et on va continuer sur ce sentier. On aperçoit la sente qui passe au-dessus du lac, là-bas, au-dessus des Ricks. Et là, on dirait que c'est carrément calciné. T'as vu ça? On est laissé brûler. Ouais. Et regarde derrière comment ça monte là. Regarde. Vite. Le nuage là, regarde. Oh là là. Ah, il va pas falloir traîner. Celui-là, il monte bien là. Lui, tu vois, pour le coup, il est en train de se transformer. Ah, il y en a deux sur la crête là-haut. Ouais. Oui. Monte tard déjà. Ouais. On se suit. C'est clair. On compte des différentes. T'as vu comment ça fait des arêtes là? Bon, ça y est, on attaque la portion, une des portions les moins évidentes. On va descendre dans les cailloux de manière assez raide. Il faut qu'on rejoigne le sentier tout en bas. Je ne sais pas si vous le voyez, mais au niveau du torrent. Voilà. On n'est pas à l'auberge ou quoi? Si, 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 oh, ah, si. On n'est pas loin, on est plein de nez. À chaque pas qu'on fait, on s'en rapproche. C'est clair qu'il a les flux remplis. Hein. Oh, il doit être équipé le garçon là-bas au Garlitz, oui. Ouais. Oui, de l'eau fraîche. C'est passé.
attraper des truites monstrueuses, un poisson chat. Je peux venir à la pêche comme ça. Et t'as le poisson pour dormir pour le soir quoi. À la queue leu. Voilà. Les dégâts que tu fais avec ton trépied. Oui, je sais que voilà. Je vais pas le tu sais que tu as dû passer comme ça là. Je me suis penché pour faire la lacet et puis voilà. T'as pris, t'as pris la pluie là. Oh. Non, pas du tout. Non. T'as vu le bleu du lac là. Ah, c'est incroyable. Oh là là. C'est bleu. C'est bleu. C'est un bleu profond là. Ouais. C'est bleu nuit. Ouais. D'accord. C'est vraiment interminable cette descente, ce retour. À moi qui pose les gens en parking. Bon, ça y est, on a fait le plus. Il y a des grimpeurs partout. Il y a des sacs. Hein ? Sophie, Bon, allez, clap de fin pour cette nouvelle sortie. Donc, en compagnie d'Eric, JP. C'est moi. Et puis derrière, Sébastien et. Didier. Et Didier qu'on a rencontré au départ ce matin et on s'est retrouvé au pic du Cambiel. Donc on a fait la fin de la sortie ensemble. Tout le monde est content ? Oui ! Voilà donc une bien jolie boucle. 3 000 de plus sur la même sortie. Donc c'est sympa. On fait le check ? Carrément. Check ! Allez, check. Tous ensemble. Check. Allez, check. Et maintenant, la bière. Les bières. Les bières. Là. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Merci. Hein oh. Bouteille, moi. Allez. Ouais. Allez. À Miguel. À la sortie du jour, pour voilà. Vous, de votre côté. À une série des 3000. Tintin, voilà. Et puis aux amoureux de des Pyrénées, voilà. Et de la nature. Tintin. Oh. Eh bien. C'est la meilleure Samiguel que j'ai jamais bu. Bonne crise. Elle est déjà finie. Celle-là, elle est bonne. Ah, ouais. Celle-là, ouais. C'est un petit modèle. Pardon. J'arrête. On n'a pas trouvé ce matin, c'est bizarre. Ouais, mais on le verra peut-être au retour. Ouais, des fois il y a des trucs qui vont pas à l'aller. Oui, mais. C'est pour ça qu'il faut filmer au retour. Pourquoi il faut filmer T'as pas mis le tour du tire-bouchon ? Il me fait ta bougie ! Oh, t'as qu'à faire la photo aussi. On va essayer de pas le faire éclater. Mais. Et voilà. Mais je filme. Ah mince, pardon ! Oh, quel boulet ! Mets-toi la JP, c'est que si ça. Il passe un arrêt de voler ou quoi ? S'il y a une petite giclette qui est par terre. Oh putain ! Oh putain ! Tiens, tu vois ? Voilà. Avec altitude ? Oui, ça, c'est altitude ça.